dans votre livre, ça s'appelle Gueule de rugby, donc il faut parler de rugby. J'ai raté ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire l'est, non. Le reste, quelque part, ce serait un peu d'aigreur. Non, je n'ai pas d'aigreur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, je me suis régalé. Mais si j'ai raté les portes, tant pis pour moi. Je ne donnais pas de coup de poing. Mais je rentrais avec l'épaule, avec peut-être un peu le coude qu'on n'avait pas le droit de faire. Bon, enfin, C'est une question pertinente, mais qui m'a taraudé quelquefois. Et on doit en prendre 40. Et ce qui se passe, c'est qu'à la 70e, on est encore là, quoi. C'est... Ben oui, j'y ai pensé tout le temps, en fait. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Et lorsque le bon moment est arrivé, peut-être que j'ai pas eu de chance. Francis Desjean, je l'ai joué une fois avec Castres, j'avais 18-19 ans. À la première touche, j'ai eu le malheur de la lui prendre à Narbonne. Il a été gentil, il m'a tiré par le coin comme ça. Il m'a dit, petit, ça se fait pas ça. Voilà ce qu'il m'a fait. Et je vous jure, il a pris toutes les autres. Moi notamment de Canto, parce que deux fois j'ai donné des grands coups de pied en l'air à suivre pour essayer de le choper avec le ballon. Et j'ai vu son regard à la réception. Il était pas bien. Hein. Thierry Dussautoir dégageait une forme de respect impressionnant. Wilkinson, Matt Guiteau, c'était des personnages qui avaient un respect pour toi énorme et qui automatiquement t'imposaient à avoir un respect colossal, mais pas de préférence. Donc. On l'a eu dur. Hein. Bon, on a fermé nos gueules, on a perdu. Quand ils sont venus, il y en a certains qui ont oublié de prendre le bus. Hein. Donc ils en ont pris ça. Il y a des matchs très durs où on joue, je crois que c'est début 87, où ils viennent ici, début janvier, là, où ils étaient vraiment très 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 prêts au combat. C'est des figures emblématiques, enfin des images emblématiques où on est 6 ou 7 couchés par terre parce qu'on s'est fait emplâtrer un peu dans tous les sens. Ah non, je choisirais les deux. Mais... On peut pas laisser les sélections de côté. Mais par contre, un titre, c'est quand même quelque chose.